remercie de m'accueillir chez vous, les amis, les Guiriens, pour une petite explication de carte, donc de la carte 29 de l'oracle de Sceaux, qui est la carte du cœur brisé. Alors, cette carte, il faut... Je vais voir les mots-clés que j'ai mis, sinon je vous expliquerai. J'ai fait mon petit pense-bête pour faire les vidéos. Alors, par rapport à une personne, cette carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Par rapport à une personne, ça va nous expliquer que c'est une personne solitaire, une personne qui a besoin de solitude aussi. C'est une personne qui manque de confiance en elle. C'est une personne qui a été très triste, qui a souffert, qui a été... suite à un chagrin, une perte, un malheur, le cœur est blessé suite... Justement, cette personne a perdu quelque chose, voilà, on lui a fait du mal. Alors, du mal, on lui a fait du mal, pas spécialement exprès, hein. Ça peut être un décès, ça peut être, voilà, on est triste. L'amour ici, c'est-à-dire qu'on ne sait plus être heureux, parce que notre tristesse, notre cœur meurtri, ben, trop meurtri, on ne peut plus, on n'a plus envie peut-être, c'est comme si on vivait, on est plus âgé, on est veuf ou on est veuve, et puis on nous dit oui mais tu es encore là, je ne peux pas encore rencontrer des gens, oui, mais peut-être qu'on n'en veut plus, et donc cette tristesse ne permet pas donc à une personne ou à l'amour de s'introduire dans le cœur de la personne. C'est voilà, c'est aussi ici cette carte va nous parler de solitude. C'est aussi une carte qui nous dit on a besoin de l'autre, mais dans le sens où on est en manque de l'autre. C'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à tourner une page. On n'arrive pas à tourner une page. Soit on ne se le permet pas. On se dit, oui, mais non, je peux pas. Il n'est plus là ou elle n'est plus là. Je ne peux plus rire. Je ne peux plus. Mais si, bien sûr. Cette carte va nous parler de déprime, de tristesse, de baisser les bras aussi. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'aide et de soutien, et peut-être que, voilà, c'est une personne qui a besoin d'aide et de soutien. Maintenant, est-ce qu'elle va l'accepter ou pas? Peut-être qu'elle va pas l'accepter non plus, parce qu'elle va s'obliger c'est marrant, parce que, enfin, c'est pas marrant du tout, mais c'est comme si elle s'auto-punissait, c'est comme si, ou alors vraiment, cette perte, la perte de cette personne, ou ça va être aussi la perte d'un petit animal de compagnie, par exemple. Voilà, on a le cœur triste et ça, c'est une cicatrice. Bon, oui, ça va cicatriser, mais ça va s'ouvrir aussi parfois et ça va rendre. C'est comme si on ne savait pas remplacer quelque chose. On ne sait plus réparer. Il a déjà été beaucoup réparé, ce cœur. Voilà. Mais c'est pas spécialement une blessure amoureuse. Ça peut aussi. Mais pas spécialement. Donc, voici ce que je devais vous dire pour cette carte du cœur, la carte 29. Je vous fais des bisous.